Yo les gens, que tel, comment est-ce, comment allez-vous, comment ça va? Alors, effectivement, pour avoir des meufs comme ça, ici au Pérou, il faut des thunes. T'as pas de thunes, il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est comme ça. L'amour s'achète. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions, elles sont pas toutes comme ça, mais c'est le 80%. Puis celles qui sont pas comme ça, elles ont un mec. Puis tu vas pas forcément leur plaire ou elle va pas forcément te plaire. Donc il y a le problème. Puis bon, ils considèrent toujours que quand un Européen qui représente soi-disant les 80% de riches d'Europe. Voilà. Pour eux, les États-Unis, l'Europe, c'est les pays où la majeure partie des gens sont bourges. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Si là-bas c'est le paradis. Alors moi je leur explique la réalité de l'Europe, les 10-15 dernières années, même plus. Puis je leur fais comprendre. Il faut tout leur expliquer en détail parce qu'ils ne comprennent pas. Même si il y a des vidéos dans leur langue sur YouTube, ils n'ont pas les chercher. Ils cherchent les vidéos farfelues. Genre la Suisse te donne je ne sais pas combien pour pouvoir peupler un village, on ne sait rien. Des conneries. Ils ne regardent pas les vrais reportages, les vrais... Non, ils regardent des conneries, quoi. C'est bien pour ça qu'il y a des connards sur YouTube qui sont une pété thune, hein. Parce qu'il y a plein de vues, c'est des putaclic, quoi. Je sais qu'on ne peut pas utiliser ce terme, mais bon, je ne me rappelle pas du terme français, je suis désolé, quoi. Enfin si, ça l'est, hein. Pute, à clic, clic, c'est anglais, c'est clair, mais bon. Voilà, quoi. Donc effectivement, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont ici. Et puis, ils n'apprécient pas, en fait. Je veux dire, lui, par exemple, il a une moto, il pense que les Européens, ils ont de meilleures motos qu'eux. Voilà. Peut-être qu'ils voient en Espagne, qu'en Espagne, ils sont quand même plus aisés qu'en France, hein, quand même. Mais bon... Je veux dire, voilà quoi. Ils ont une maison comme ça. Je vais me dire, c'est pas totoche, hein, mais c'est quand même une maison quoi. Hein? Au vu de tous les SDF qu'il y a en Suisse. D'ailleurs, où, en Suisse, c'est interdit de construire des maisons maintenant. Hein. Maintenant, ils veulent que du bâtiment, de la cage à poules. Et en plus, ils te demandent plein de choses. Pour l'obtenir, c'est pas... Ici, c'est facile. Mais je sais pas, ils apprécient pas, quoi. Donc, en gros, il faut qu'ils aillent vivre en Europe ou aux États-Unis pour s'en rendre compte. Oui, ils sont cucul à praline, ils sont cons, quoi. Cons comme la lune. C'est aussi pour ça que je suis célibataire, parce qu'elles sont connes. Voilà, forcément, pour elles, c'est pas normal que j'ai pas de thune parce que je suis blanc. Pour eux, le mec qui est en Europe, il a voulu être SDF. Voilà, les gens qui ont été SDF, ils ont voulu l'être. C'est un choix de la vie. Non, mais ils sont cons comme la lune. Il y avait des gens comme ça aussi en Suisse, hein, il y a 25-30 ans en arrière. Je me souviens quand j'avais quoi... il y a 20 ans en arrière, quand j'avais quoi... 18 ans, je me souviens qu'il y a des gens comme ça, il y en a partout, il y en aura toujours. Mais ici, ils pullulent, quoi, malheureusement. Mais bon, c'est un paradis, quoi. Ouais, moi je vous laisse, peace, à plus.